Les Bamileke implorent. Aujourd'hui, tu demandes aux gens d'ailleurs de venir insulter Chantal Ayizi. C'est toi qui vas écoper. Si tu es intelligente, je te le dis en toute honnêteté. Moi, je ne savais même pas que Amoubolinga a dit qu'elle t'attend au pays, mais je venais parler pour les colonos. Voilà aussi Amoubolinga qui t'attend au pays. Mais oui, ils ont demandé que tu publies. Mais dès que tu publies, on t'attend au pays. Ils ont demandé, on te donne l'autorisation. On te donne l'autorisation. Celle qui vient me dire que est-ce que ce que tu dis avant, je répète que Facebook, c'est le tourbillon. Ça tourne comme ça et ça revient comme ça. On peut être comme ça aujourd'hui. Quand on trouve que là-bas c'est mauvais, on retourne. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Vous ne comprenez pas quoi? Celle qui vient me dire, c'est ce que tu disais avant. Je disais ça avant et après. Et après. Quand on découvre qu'une personne qu'on aime bien, qu'on soutient bien, a un mauvais fond, est méchante, on doit venir s'asseoir sur ça, dire que non, c'est une bonne personne. Alors que c'est une personne qui fait les coups bas. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, l'Andolais, sud de mes têtes. Bonsoir, Alors, bonsoir. je vais donner mon avis concernant le problème qui est sur la toile. Oui. Vous savez, depuis toujours, de toute la toile, Lolo est très méchante. Elle est d'une méchanceté inouïe. Elle est aigrie, une grosse Aigri, manipulatrice. manipulatrice, oui, et mytho. Quand elle est arrivée sur la toile, elle était avec Compressor. Elle a tout fait pour descendre Compressor. Après, Et j'ai commencé même à elle détester se fait. détester Compressor à Oui. cause de ça. Oui, c'est elle qui poussait même Compressor à clasher Flore. Après, elle est tombée sur le couple amour. Il faut savoir que Lolo a une envie, c'est-à-dire elle envie tellement fort que ça fait peur. Lolo est à mesure de faire alliance avec le diable pour descendre Flore. Dans toutes les alliances, là, Lolo était que quand elle voit Flore avec quelqu'un, elle insulte la personne et une fois que Flore n'est pas avec la personne, elle récupère. Elle récupère toutes les personnes qui ne s'entendent pas avec Flo. Mais quand j'avais vu Machin, moi je connais Machin depuis, Vombe, surtout son grand frère, Marie Sylodie, donc qui était, il avait une grande amie qui était ma voisine, cette fille était décédée. Donc c'est une famille que je connais. Ce ne sont pas des personnes à problème. Mais quand j'avais vu le fait que, bon, avec Flore, ça n'allait pas, Lolo a récupéré, soi-disant, qu'elle prend le parti de Machin. Tout ça, c'est pour faire choquer Flore. Toutes les personnes, remarquez bien. Et puis, Lolo est d'un tribalisme inouï. C'est son côté-là, alors, qui me tue. Ne voyez pas les machins qu'elle dit là, que les décans, machin. Lolo est tribaliste. Ça n'a pas de nom. Regardez seulement son entourage. Ce ne sont que des bandits. Et puis toutes ces personnes qui sont avec Lolo, c'est des personnes à qui Flore n'a pas donné accès de rester vraiment à leur côté. Tout ça, c'est des frustrés, des jalouses. Donc tout ce que, tant que Lolo, elle a un très mauvais fond, elle se remet en question. Elle a un très mauvais fond, elle est machiavélique. C'est une personne avec qui il faut traiter à distance. Faut pas s'accrocher à elle. Lolo a un problème. Si elle ne se remet pas en question, ou elle doit aller faire des rites chez eux, les Bamileke, parce qu'il y a un truc qui ne joue pas dans la vie de cette fille. Malgré tous les sabotages qu'elle a fait pour Flo, elle est parmi les gens qui ont saboté le truc de Flo. Même quand Flo était en partenariat avec cette petite de Londres, elle a saboté après la récupérer. Chaque fois qu'elle va voir Flo avec quelqu'un, elle va
d'inciter la personne, mais une fois que vous prenez avec la personne, elle récupère tout ce qu'elle fait là, même tout ce qui se passe là maintenant. Maintenant que Machin et Flore ont fait la paix, elle va aller plus fort pour saluer tout ça. Le but, c'est pour descendre Flore. Et que Lolo sache, elle a cette habitude que quand il y a des problèmes entre nous les Camerounais, elle amène toujours des étrangers dedans. Cette fille est d'une haine pas possible. Elle est d'une haine, ça dit que c'est la plus haineuse de la classe camerounaise, je suis désolée. Mais qu'elle sache que elle ne va pas descendre Machin. Qu'elle sache que elle ne va rien faire à Flore. Si elle était ce qu'elle prétend, elle sait que c'est une pauvre femme. Elle est pauvre en tout, en esprit, elle est pauvre en tout. De un. De deux, elle ne va jamais évoluer. Lolo ne va jamais évoluer. Une fille dangereuse qui a déjà des mauvaises idées, c'est-à-dire que tu es avec qui elle est enregistrée déjà. Ce que j'aimerais dire à vous, mes sœurs, s'il vous plaît, vous, mes sœurs de la toile, évitez cette fille. Valérie Amougou, moi je te connais, tu sais souvent prendre des distances. Et puis je vais dire ici à Compresso, bravo Compresso, parce que Compresso, j'ai confiance. Mais Flore, ne tente même pas un jour. La paix est bien, mais qu'elle reste à distance. Le jour, si cette fille voit où elle peut tuer Flore, elle va le faire sans hésiter. Elle est très dangereuse, monsieur. Prenez-la de l'Italie à distance, pas de frottement. Une manipulatrice hors pair, une ingrate. Pauvre fille, elle veut toujours vivre au-dessus de ses moyens. Pourtant, elle n'est rien, elle n'a rien. Lolo, tu n'es rien, tu n'as rien. Le conseil que je vais te donner, va faire les rites. Parce que le fait aussi que tu as tourbillonné tous ces pays-là, élan, ta maman est décédée, tu n'es pas allée au deuil. Paix à son âme. Va sur la tombe de tes parents. Pipi, va sur la tombe de tes parents, faire des rites banalités. Enlève ta et ton aigreur, ta jalousie, tu es machiavélique. Je vais vous donner un exemple. Regardez un peu. Borosangi a failli tuer sa propre tante. Maintenant, comme elle sait que Borosangi et Flore ne s'entendent pas, elle est en alliance avec Borosangi, elle oublie sa tante. C'est pour vous dire que c'est une fille qui est à mesure de signer un pacte avec le diable pour descendre des personnes. Prezi Amout, toi aussi je te connais. J'aime beaucoup ta femme, Jacques. Quand vous êtes avec celle-là, méfiez-vous. Toutes les personnes que Lolo approche doivent se méfier. Lolo est dangereuse, machiavélique. Quand je vois certains pères, ne fais pas amitié avec elle, que chacun reste dans son coin. Avec Lolo, Lolo peut tuer, mettre le poison. Qu'elle ne fasse pas ces machins, qu'elle fait sa manipulation, qu'elle parle, elle prie Dieu, oh Dieu, oh machin, tout ça. Lolo est machiavélique. Je sais de quoi je parle. Oui, c'était mon témoignage. Bonne soirée, Landoula, je suis de Métis. Bonne soirée, Madame l'Abeille. Vous pouvez appeler. Waouh! La dame a appelé, je la rappelle. Maman. Allô? Bonsoir, Adolé. De me tes mamans, tu es belle. Oui, je suis belle, le feu sort. Merci. On peut être belle comme ça. Et qui est? Merci. Non, tu es trop belle, tu es trop belle. Hé, ton teint, tu es un beau teint, sans te mentir, t'as grâce à l'autre, la magie. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Je voulais dire ceci, tu sais, la dame qui vient d'appeler, là, elle a dit quelque chose. Oui. Et que je voudrais encore rappeler aux internautes qui nous suivent, là. Oui. Elle a parlé de la tante de Lolo. La tante, imagine que ce n'est pas sa tante du côté paternel. Hein.
C'est du côté maternel. Regarde comment elle a sacrifié sa tante. La tante là, c'est qui? Juste parce que elle. La tante, hein? La tante là, c'est qui? Elle s'appelle comment? Mana Antoganez. Mana la Antoganez. Mana la Antoganez, c'est la tante de Lolo. Oui, ok. Ma, c'est sa tante, c'est son sang, c'est pas que c'est pas, c'est son sang, même ventre. Sa tante, donc elle du côté maternel. Donc elles ont le même ventre. Imagine que tu rejettes ta tante. Ce n'est pas la tante. Elle est alliée avec un ennemi de Flo, juste parce que. Mais c'est pas possible. Attends, c'est quoi? Attends, je ne comprends pas. Elle est dangereuse. Je ne comprends pas. Mais quand le temps de faire un truc pareil, elle te tue. Ma chérie, attends. Comment peut-tu tuer? Mais vous avez la vérité, comment on peut tuer? Ton ventre, maman, comment tu peux faire la radio de choses là? Ton ventre, juste parce que tu as le mal de flore. Et Lolo, regarde aujourd'hui. Tu te retrouves dans tous ces problèmes aujourd'hui à cause d'une seule chose. La rancune, la haine. Tu es une personne qui n'a même pas ton temps. La concurrence dans zéro. Dans zéro, ma soeur. Je dis que je suis ta soeur du village. Tu as seulement la main sans que je ne parle pas de toi. Mais Mana, quand même, reconnaît la voix. J'ai parlé avec Mana plusieurs fois. Je suis ta soeur du village. Ma soeur, calme ton cœur. Change ton cœur. Même si tu passes sur la tombe de tes parents, quand tu ne changes pas ton cœur, tu seras toujours comme tu es là. Rien ne va avancer dans ta vie. Change ton cœur. Parce que tu te retrouves dans tous les problèmes du Cameroun là maintenant. À cause pourquoi? Parce que tu veux défier Flore. Tu veux montrer à Flore que toi aussi tu peux. Tu es. Mais c'est pas comme ça dans la vie. C'est quoi que tu fais? Tu te retrouves dans tout. Même pas, tu peux écraser ton partout, partout là. C'est pourquoi tu ouvres les portes? Pourquoi tu peux dire aussi que tu connais telle personne? Tu n'es pas Flore ainsi et en ça. C'est tout. C'est pas vraiment que peut-être sur tout te gratte. Mais tu le fais juste par concurrence. Juste pour montrer à Flore que toi aussi tu peux. Tu as les longs bras, comme on dit au pays. Tu as aussi les longs bras. Tu écartes partout, une vieille chouette comme les toi, maman. Et les petits gars, ma mère. Les longs bras qu'elle a dit qu'elle en pays, c'est Chantal Aïssi qui lui a donné ses longs bras. Elle connaît qui au pays? Elle connaît personne. C'est Chantal Aïssi, c'est Aline Marie Christine Zomobem qui l'a amené pour la canne. Et elle allait faire des choses à Aline là-bas. Aline m'a dit ça, j'ai dit à Aline que je ne crois pas que Lolo est comme ça. J'ai pris le parti de Lolo. Aline m'a dit quand même non. J'ai dit non. Si je te dis des choses que Lolo a fait là-bas, jusqu'à on doit quelque part, on nous donne une enveloppe que je dois partager. Lolo arrache, elle veut se battre avec moi. J'ai dit que pourquoi? Qu'il faut qu'on compte l'argent. Bonjour Waris, on compte l'argent devant elle et qu'elle partage l'argent devant elle. Lolo, maman, c'est vraiment une bousailleuse. Parce que les bousailleuses, ils sont comme ça. Lolo, c'est vraiment les gens qui ont trop machin en route là. C'est vraiment une femme. Elle a vraiment fait la route. Elle a vraiment fait la route parce qu'elle a vraiment elle a le sang. Lui, hein. Lolo est sans cœur. S'il faut regarder, Lolo est sans cœur. Et je dis à Flore, même si tu passes la paix avec Lolo, fais attention à toi. Cette femme-là, elle est trop émue. Je suis désolée de le dire. Elle peut faire la paix, mais que chacun reste dans son coin. Lolo, c'est pas la casier, mais que tu peux blaguer avec elle. C'est comme Anne aussi, je sais qu'elle a le sang même dans les mains. Elle sait que les actions qu'elle pose, ça fait peur, les Valérie. Ça fait peur. Les actions qu'elle pose font peur. Sérieusement, c'est pas une blague. Les actions que Lolo pose font peur. Regarde comment elle a laissé, elle laisse que les. Et tu dis pas regarder même ses followers. Ce sont toujours les étrangers. Les gens qui viennent sur les directs noms de Lolo, mais les Congolaises, les Gabonaises, ce sont toujours les gens du dehors. Je suis désolée, c'est la vérité. Quel est le vrai Camerounais qui m'a fait plus à poser sa caméra et dit qu'il descend Lolo? Il faut être mouton. Voilà même Nemenge, tu l'appelles comment? C'est Nemenge. Comment ça fait la maman le Pombo? Namengue. Tu as le vrai nom là encore? Namengue. Namengue, voilà. Voilà Namengue qui a déjà démissionné. Elle a fait le direct à 2h du matin. Oui! Elle a dit que non, elle n'est pas ici ça. Oh. Non, elle voit ses enfants grandir. Oh. La Papa, elle n'est pas elle. Oh. Oh. Elle a écouté son direct. Elle a dit qu'elle n'est pas dedans. Que c'est quelque chose lui arrive, elle est une classe. Maman, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, je m'assois sur ton compas. Que quoi? Tu vas sur ta page, direct. Va sur ta page où c'est ton compte, son nom, c'est quoi la Dorcas comme un super officiel. Oui, elle a fait le direct à 2h du matin. 2h, 3h, oui. Elle a dit qu'elle n'est pas ici, ça, oh. Je te dis ce qui est vraiment égalé, ton sang, elle est payée. Anti-Anna. Elle a même demandé au fond de partager, oui. Ouatouya. À quoi? Eh?
Tu dis que quoi? Dorcas. Ça ne fait que commencer. Même Deko Mamougou va se déconnecter de ta team. Faites-moi confiance. Même Deko Mamougou va se déconnecter de ta team. Même Deko Mamougou va se déconnecter de ta team. Tu ne racontes. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Tu sais que si cette histoire, Lolo, depuis l'année dernière, quand tu avais prévu de clasher Chantal, oui, madame, rebonsoir. Allô? Oui, madame, rebonsoir. Bonsoir à la fille, fille de mes textes. La reine des anges, c'est bien moi. La nouvelle, bon, la, nouvelle reviens, la nouvelle, la nouvelle, je reviens juste pour dire, oui, la nouvelle fille de mes textes, je reviens juste pour dire à tes internautes que Fleur de Lys n'est pas seulement Bamileke, elle est aussi Bata. Le Bata la soutient beaucoup. C'est juste pour sauver Chantal Ayouti. Le problème, c'est que l'Andolais fille de mes textes, Léo, c'est notre sœur. Mais qu'elle essaie un peu d'enlever la haine sur elle. Oui. La haine, c'est pas bien. Oui, la haine vraiment, c'est pas bien. Ça n'arrange pas et puis ça ne fait pas avancer. Parce qu'aujourd'hui, elle se joue de la King Kong, mais c'est pas ça. Parce que on a vu tout ce que la fille a fait. Chantal a ici aujourd'hui, j'ai un cœur vraiment qui, je suis mal parce que Chantal a ici nous a fait danser. Chantal a ici, c'est une icône du 237. C'est une icône du vert ou jaune. On ne doit pas salir son image. J'espère que je me fais comprendre. Oui. J'espère que je me suis fait comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quels qu'en soient nos problèmes, ça doit rester du 237. Ça ne doit pas aller au-delà. Elle a trop fait. Elle en a trop fait. Franchement, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est vraiment pas ça. Qu'on regarde l'état de Chantal Haïti qui est aujourd'hui. Moi, c'est Chantal Haïti qui m'importe. Aujourd'hui, elle s'était insultée par les Congolais. À cause de cette femme-là, Lolo. Elle se fait insulter, Chantal a dit, elle se fait insulter aujourd'hui dans le direct de la dame qui est aux États-Unis. Lolo, j'espère la soirée de la reine Mémapo, du 9 là, avec la paix qu'elle a fait avec soi-disant Sandy de Boston qui se dit qu'elle est la King Kong des réseaux sociaux. Mais nous serons là le 9 décembre, la soirée de Petit Pays. Petit Pays, c'est notre icône. Petit Pays a fait rêver. Petit Pays nous a marqué jusqu'aujourd'hui. Lolo, avant que ce que tu es en train de faire avec Sandy de Boston, essaye vraiment, Lolo, de te revenir en question. Parce que Petit Pays, c'est pas n'importe qui. Si tu as décidé avec Sandrine de Boston que tu vas venir gâter l'événement de Marco, nous, les appels, nous serons armés avec les couteaux dans nos poches. Uniquement pour toi. Là où Lolo Foja se trouve, là à Reims, et quand elle est cachée, si tu essayes de saboter la soirée du petit pays de notre icône qui est comme étoffiste, Petit Pays, Lolo Foja, on va te trouver dans ta maison avec des couteaux. Et c'est une abeille qui parle, et c'est une bata qui parle. Si tu essaies de saboter la soirée du 9 décembre de la Reine Mère, Lolo, on va te trouver partout, même au marché, là où tu vas aller. Comme tu détestes, tu haïs vraiment la mafo, nous, on va te trouver là où tu es. Dans le marché à Rennes,
avec les couteaux, nous on ne te promet pas. Donc ce que tu fais là, il faut savoir ce que tu es en train de faire avec Sandrine de Boston. Si tu fais ça aujourd'hui, Lolo, on va te trouver dans ta maison avec les couteaux. L'angolaise, fille de mes têtes, est-ce que je me fais entendre? On se fait entendre, mais je ne te demande pas d'aller avec les couteaux. On est dans un pays de gloire, ma puce. Non, si elle essaye, parce que petit pays n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Si Lolo et Sandrine de Boston essayent de diffamer ce conseil du Nord, nous tous, nous sommes en train de préparer. Lolo, on va la trouver. Si ce n'est qu'au marché, là où elle travaille, elle va nulle part. Nous, on te dit ça. C'est les abeilles qui disent ça et c'est les bâtards qui disent ça. Lolo, tu vas nulle part. Si tu essaies de saboter le neuf, parce que petit pays n'est pas ici tous les jours. Si moi, pour nous faire plaisir de nous faire voir et écouter les anciens retours de petit pays, tu vas nulle part avec les bâtards et les abeilles. Moi, je te dis ça, Lolo. Avec des couteaux, je te dis ça. L'Andola, fille de mes têtes, ne dit pas que non, c'est pas ça. C'est pas petit pays qui dirige le Cameroun. C'est pas Fleur de Lys qui dirige le Cameroun. Mais tu vas lire l'heure. Ce que tu as déclaré, si tu déclares la guerre à petit pays, c'est que tu as déclaré la guerre à tout le Cameroun et à Samuel Eto'o. C'est ce que je voulais à te dire. Merci. Merci beaucoup, madame. En passant, je voudrais profiter ici pour présenter mes excuses à tous les Camerounais. Je vous demande sincèrement des excuses. Vous savez... Oui. Abeille, parle. L'Andolé-fille, j'ai oublié de dire ceci encore, s'il te plaît. Vas-y. Elle ne s'appelle pas Lolo Foja. Enlevez le nom de Truy, de l'homme de Truy, sur son prénom là. Elle est encore demoiselle, elle est encore jeune fille. C'est une vieille chouette, jeune fille, jeune grand-mère, si je peux l'appeler comme ça là. Elle s'appelle Biaï Foja. Non, elle n'est pas Foja. Biaï Lor, je crois que c'est un truc comme ça. Elle ne s'appelle pas Foja, laissez le nom de l'homme de Truy tranquille. Biaï Lor, Patricia. Laissez son nom tranquille. Quand elle a porté trop de malédiction derrière Lolo, enlevez son nom, c'est ça. Elle ne s'appelle pas Foja. C'est le nom d'une autre famille. Elle appartient pas. Elle n'a même jamais été. Même le toqué porte. On n'a jamais vu le toqué porte sur Lolo. Donc elle n'est pas Foja. Elle aime Biaï Lor. Ou c'est Biarmen, ou c'est quoi qu'on m'a dit là-haut. Voilà son nom là-bas. Elle ne s'appelle pas Foja. Elle n'est jamais Foja. Il y a Marie Foja. Qui a mis des enfants et des petits-enfants avec Foja. Voilà. Marie Foja, c'est qui ça? Marie Foja, c'est qui? C'est la soeur de Papa Foja. Hein? Marie Foja, c'est qui? C'est la nouvelle femme, la mère de l'enfant de Foja. Et il a même les petits-enfants, ils ont déjà, je crois, on a dit deux ou trois petits-enfants ensemble. Ah bon? Ils sont retournés. Tu sais pas que tu n'as pas cru qu'il est retourné sur la mère de son enfant. Hey, yeah, me sens pas, yeah, yeah. Me sens pas, le bel et le bon. Mais lui, tu es retourné. Tu es là-bas, quand tu te parles présentement, la mère de son enfant. Marie Foja. C'est le roi, l'amour de la jeunesse. Ils sont retournés ensemble. Regarde la vidéo chez Maléba. Tu vas voir. Marie Foja, je te fais des gros bisous comme ça. Venez à la soirée du 9 décembre. Voilà. Je serai là. Je demande à mes voilà frères. Voilà la vraie Madame Foja. Je demande voilà à la vraie Madame Foja. Parce qu'elle a même son sang avec elle. Elle a ses enfants avec. Donc voilà la vraie Madame Foja. Lolo était seulement là et perdait le temps au tube de Truy. Elle utilisait juste cet homme. Moi, quand je voyais le monsieur là-bas sur Lolo, avec Lolo, je disais toujours tout le temps que si le tissu était un membre de ma famille, je te jure que je ferais, même avec les mains, je le retirerais là-bas. Même avec les mains, parce que ça faisait pitié. Si monsieur souffrait, il sort de très loin. Il sort de très loin. Donc s'il vous plaît, quand on mentionne son nom comme ça, c'est que lui-même il a mal. Il doit vraiment avoir mal. Parce que, imagine ce que Dieu se fait de qu'il a traversé avec Lolo pour vivre. C'est juste comment une femme occupe légère. Tu as un homme dans la maison, tu t'en vas au Cameroun couiller avec des petits dards. Vous croyez qu'il est au courant? Les porteurs de sac. Mais il va parler comment? Il va dire quoi? Il avait peur de Lolo. Ça se voyait qu'il avait peur de Lolo. Ça se voyait et qu'il avait peur d'elle. Pour vivre. Les porteurs de sac. Donc, pardon. Ah ben oui, pardon, ne mentionnez plus le nom de Foja, c'est pas le nom de Lolo, elle s'appelle Biaï
En tout cas, moi, je vais l'appeler Mendo Mendes. En tout cas, on est ensemble. Nous sommes là. Ah, désolé, j'ai coupé sans faire exprès. Désolé, madame. Moi, je voudrais profiter ici pour présenter mes excuses à tous les Camerounais. À tous les fans de Chantal Haïssi. À tous les le peuple Ekan. Et tous les fans, et les Bamleke, les Bassa, les Betis, tout le monde. À tout le Cameroun, je voudrais vous demander pardon. Parce que l'histoire qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est moi qui ai organisé ça. Vous savez, quand l'erreur est humaine, quand on fait quelque chose, on assume. J'assume mes erreurs et je vous demande pardon. Je me mets à genoux, ne me crucifiez pas. Parce que vous savez, quand on voit, on rencontre des personnes ici, on ne les connaît pas de près. Quand Lolo me demande à plusieurs reprises qu'elle veut être en contact avec Chantal Haïssi, nous étions à Annemasse. Chantal Haïssi m'avait appelé pour me souhaiter bonne fête de la femme parce que c'était le jour de la fête de femme et que Lolo m'avait fait gagner une prestation à Genève. À Annemasse, merci, même déjà Lolo, merci pour ça. Et Chantal Haïssi m'a appelé, c'était le jour de la fête de la femme. Elle me dit, ma fille, je t'appelle pour te souhaiter bonne fête. Je dis, merci maman, toi aussi, bonne fête. Et Lolo voit que je parle avec Chantal Haïssi en vidéo, me dit que, yay, je rêve de la femme, si. Je rêve parler même avec elle. Je rêve même être auprès d'elle. Pardon. Je voudrais être en contact avec elle. Je voudrais qu'elle vienne à mon émission, qu'elle vienne à mon anniversaire. Je dis que okay, j'ai compris. Parce que moi, je veux vous dire une chose. Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. J'ai beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Je suis que quand je suis avec quelqu'un, même dans ma vraie vie, je suis avec cette personne en vrai. Je ne sais pas faire l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Même quand quelqu'un m'invite que vienne manger chez moi, si j'accepte venir chez cette personne, ça veut dire que c'est quelqu'un que je considère et que j'ai beaucoup de respect ou d'amour même. Je suis comme ça. Comment je me retrouve chez Lolo? C'est Waris Balata. Lorsque Lolo cherche qui venir à son émission, elle contacte Mani Bella. Mani Bella dit que qui? Je n'associe pas mon image avec les blogueuses. Elle cherche qui venir à son émission. Mani Bella dit qui? Je viens faire quoi? Non, Mani Bella a refusé formellement. Et Mani Bella, bravo. Bravo. Tu avais eu raison. Et entre parenthèses, Katino, je te connais. Tu aimes trop la familiarité avec les gens. Je te mets en garde. Si ce que je suis en train de vivre aujourd'hui t'arrive avec le lot de mains et les Vos et les Congossa et tout, je ne veux pas te défendre. Parce que je te préviens que Lolo n'est pas une bonne personne. Tu es passé à son émission et tu as son numéro. Je suis sûr et certain. J'espère que vos causeries ne sont pas approfondies. Je ne veux pas te défendre. Je ne veux même pas demander à Fleur de Lille de se mêler. Elle va m'écouter. Parce que le tour, si c'est le dernier tour, que quand je dis à une personne de faire attention, il ne m'écoute pas. C'était entre parenthèses. Donc, c'est Waris qui propose à Lolo que nous on prend Valérie Amourou. Elle est suivie, elle est quand même écoutée sur des réseaux sociaux et tout. Et Lolo m'appelle. Je ne sais pas comment elle a même fait pour avoir mon numéro. Je ne sais pas qui lui avait même donné mon numéro. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment ça s'est passé où elle m'avait écrit. Madame Guylaine Chapuis. La mère de mes enfants, bonjour. Comment ça va, ma belle? Donc, du coup, elle m'appelle.
Elle me dit que je veux, j'ai une émission, je voudrais que tu viennes. Moi, je viens avec plaisir. Je suis venue donc, sans arrière-pensée. Après, elle m'a dit, je veux te donner une telle somme. J'ai dit, pourquoi pas? Moi, j'aime l'argent, qui n'aime pas l'argent? J'ai dit, maman, paye-moi mon transport aller-retour. Je ne suis pas compliquée, même si je ne rentre pas à l'instant, même au canapé, moi, il dort. Moi, je ne mousse pas. Je ne suis pas une mousse. Je suis comme ça, je suis naturelle. J'ai dit, même au canapé, moi, il dort. Elle voulait me prendre une chambre d'hôtel. Elle, pour ça, elle m'avait respectée. J'ai dit, non, non, non. Si je ne pars pas, elle veut dormir même au canapé. Elle m'a bien reçu que du champagne et autres. C'est comme ça qu'on finit l'émission et tout. Je suis même rentrée après avant-hier, demain. Je suis rentrée mardi. Elle m'a accompagnée et tout. Et là, quand on va donc à Annemasse, après elle me trouve un concert allemand à Annemasse, elle me dit que... Elle demande donc que Chantal Alissi vienne. Je lui promets que je veux faire venir Chantal ici dans ta télé. C'est là qu'elle me fait comprendre que maman, c'est mon défi. Si tu fais venir Chantal ici, aïe, parce que Mani Belin m'a fait honte et tout, ça va faire comme ça. J'ai dit non, laisse. Je n'ai pas de problème avec Mani Belin, mais nous sommes tous Camerounais et Camerounaises. On doit se soutenir. Chantal ici, je lui en parle. Du problème, elle refuse catégoriquement qu'elle ne veut pas. Vous voyez jusqu'à où l'amour peut pousser des gens à faire des bêtises. J'appelle Chantal ici, elle me dit à ma fille, je ne suis pas dans ça, je ne veux pas, ne me mène pas là-bas. Je laisse, je ne parle pas. Je dis que, hé, ma mère, parce que j'appréciais Lolo. Et je lui ai donné ma parole. J'appelle Lolo. Je dis à Lolo que laisse, c'est ma mère, je maîtrise. Mandomo, laisse, je maîtrise. C'est là que, quand les jours approchent, je relance dame à ici. Je dis, dame, s'il te plaît, qui vient dire le loi yoba yoba? Vous pouvez dire le loi yoba yoba, c'est pas grave. Vous savez, même les adeptes, même les diables ont les adeptes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Même les diables ont les adeptes. Même Lucifer a les adeptes. D'accord? Donc, c'est pas grave. Vous aviez le droit de soutenir que vous voulez. Ben oui. La vie, si c'est comme ça que c'est comme dans un terrain de jeu. Soit on gagne, soit on perd. Mais les supporters, parfois, ils s'énervent. Donc, vous dites que chacun vient supporter qui veut. Même la TKC, venez dire TKC, TKC. Flor Kungan, bonsoir. Comment tu vas, ma belle Flor Kungan? Hein, mon ancienne voisine. Donc, du coup, je fais tout. Jusqu'à Chantal, il se dit, ok, je viendrai. J'assume, c'est moi qui ai amené Chantal ici, aujourd'hui, là-bas. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Les gens vont dire que Chantal ici doit vivre ça. Vous savez, il y a des gens même que quand tu les approches, ils ont déjà mâché leur truc. Parce que moi, après, je n'ai pas compris. Je vous dis la vérité dans la vérité. Je n'ai pas compris que Chantal ici avait d'abord refusé d'aller et après... J'étais écartée comme ça, comme quand il y a un président qui arrive et que on écarte les voitures, ou c'est les pompiers, ou c'est l'ambulance. Que moi-même, ma tête a jeté là, je n'ai pas compris. Je suis restée calme dans mon coin. Même le jour que j'ai vu que le clip, j'ai même pas, dès que j'ai vu, j'ai fait la fine bouche, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, même un truc bonjour. Je n'ai rien dit, mais j'ai fait la fine bouche. J'ai dit, ok. Donc, c'est déjà à ce niveau. Je n'ai rien dit. Donc, honnêtement, chers Camerounais, chers fans
du Congo-Sa et des réseaux sociaux, femme du Bikusi, femme du Cameroun, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait être. Mais après, quand je vois que Chantal Aïssi ne me gère plus, elle ne me calcule plus, elle ne décroche plus mes appels, je lui dis quand même que je voudrais quand même te dire que on dit que la personne là est dangereuse. Parce que quelqu'un m'avait fait comprendre qu'elle est comme ça. Je lui dis ça. Elle ne m'a pas écouté. Même Aline Marie-Christine Zomoben. Quand Aline amène Lolo, Lolo Mondomo, Lolo Mondomo à la canne à mer. Je dis alors à Zomoben que te voilà qui prend. Elle me dit que non, tu sais, tu sais que comme on est tous du Cameroun, t'as pas, je t'amènerai une autre fois. Parce que c'était le numéro d'Aline. Laisse, je pars avec elle. Je dis à Aline que moi, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse, mais je te dis juste une chose que, comme tu pars avec elle, fais attention. J'avais dit, ce que je dis derrière, je le dis devant. J'ai dit à Aline que Lolo est dangereuse. Qu'il faut qu'elle fasse attention. Effective Vouri, on ne va pas dire ment. Effective Fleur, effective Fleuve, on ne va pas dire ment. Effective Vouri. Quand Aline revient du Cameroun, Aline, j'appelle Aline, je dis que c'est comment. Moi, j'étais même bien au courant, j'avais fait un direct avec ma bouche qui gratte souvent que j'ai mes trois vues là. Moi, elle vient, je suis venue un samedi dire que les gens qui sont à la canne à sucre vont, on va les expédier comme les sardines. C'était samedi. Qu'est-ce que les gens de la team Nyorsé, la team Nyorsé, la team de l'enfer, m'ont dit, tu es jalouse. Oh, comment on ne t'a pas invité? Quand lundi matin arrivé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on les avait expédiés comme les colis postaux. Et le pire, c'est que comme les Yaoundé aiment parler, n'aiment pas se cacher, ils ont commencé à faire les directs. Quand ils sont arrivés, elles ont fait les directs avec les Mojang pour dire qu'on les a expédiés comme les colis. N'est-ce pas? C'est là que j'appelle Aline. Je dis que qui est? Vous êtes déjà rentré alors que vous devriez rentrer tel moment. Elle dit que laisse ma soeur. Aline commence donc à me raconter les déboires et les déboires sexuels et les cris à l'hôtel. Oh, oh, oh. Et tout ce que se passait là-bas à l'hôtel. Aline me dit que ma soeur, Lolo, c'est un cas. Comme tu vois là. Elle dormait toute la journée. Tu la voyais seulement là. Elle sortait, elle descendait. Les hommes venaient toquer. Après, tu entendais, oui, oh, oui. Que ce sont même les pleurs et les gémissements de l'hôtel. À cause de ça qu'on les avait chassés. Je dis, et qui est? Elle me dit que je te dis alors que quand je la mène dans un bureau, on nous remercie, on nous reçoit, on nous donne, on nous remet une enveloppe, on me remet une enveloppe comme c'est moi qui les a amenés. Quand on arrive à l'extérieur, Lolo se met comme ça, en émébé, pour se battre avec Aline, que c'est elle qui doit partager l'argent, qu'il faut qu'on sache combien il y a dans l'enveloppe. Lolo, qui es-tu? Qui es-tu? Le gros cœur n'est pas bien. La méchanceté n'est pas bien.
La haine non plus n'est pas bien. Vous savez pourquoi Dieu vous refuse souvent beaucoup de choses dans la vie? Parce que quand Dieu crée chaque être humain, il lit tout, il sait tout. Il a même déjà écrit ton destin. Parfois, il nous refuse souvent de nous donner certaines choses dans la vie à cause de notre fond. Qu'on sait que le fond est mauvais. Lolo, tu as un mauvais fond. Change de comportement. Change même ton cœur. On ne peut Satan. Tu es diablesse, tu es mauvaise, tu es méchante. Parce que quand aujourd'hui, j'ai encore entendu tes merveilles du Cameroun, j'ai eu la chair de poule, j'ai mouillé la chatte. J'ai mouillé la chatte. Qui es-tu? Comment peux-tu faire que quelqu'un qui t'amène quelque part pour ton propre bien, tu arrives dans les causeries, tu les enregistres? Est-ce c'est normal? Est-ce c'est possible de le faire dans les divers? C'est pas possible. Est-ce que tu peux faire que la personne qui te présente les gens, dès que tu es avec ces gens, tu écartes la personne qui te présente ces gens? Et le pire, c'est que cette personne-là, qu'on propose un boulot à sa nièce et que sa nièce quitte de Douala pour Yaoundé, quand tu arrives, quand la personne arrive, parce que tu pines déjà avec la personne, tu dis niet, tu ne décroches pas, tu n'aides pas. Ioannidas a tout avoué que c'est à cause de toi. Les vérités sont en train de sortir. Ioannidas est dans la panique totale et dans les pleurs. Mais Jean, les pleurs sont graves dans les inbox en privé et les WhatsApp. C'est chaud dans la chaudière. Appelez! Vous venez parler! Il y a quelqu'un qui a appelé du Cameroun. Je n'ai même pas vu. Je veux la rappeler. Comme les gens du Cameroun se connectent par saison. Le numéro pour appeler, c'est 07. Vous mettez l'indicatif de la France, parce que je suis en France. 07 58 44 11 15. Si vous voulez intervenir dans le direct, même pour donner des conseils à Lolo et à sa team, vous pouvez appeler 07 58. Quelqu'un peut l'épingler le numéro? Pélingelé. En passant, je voudrais. Vous savez que hier, vous m'aviez dit des choses. Moi, je ne suis pas une personne qui s'emballe selon les commentaires que tel t'a fait. Vous m'aviez dit que Nathalie Babalé m'a clashé. Je n'ai pas vu. Je ne veux pas me permettre de lui manquer le respect parce que jusqu'ici, je considère que je n'ai pas de problème avec elle. Moi, je sais faire la part des choses. Même si elle est dans la team des ténébreuses, je ne veux pas me permettre de lui manquer de respect parce qu'elle ne m'a rien fait. S'il vous plaît. Parce que quand vous venez me dire que j'ai oublié Boris Sangui, je sais que c'est Nathalie Babalé qui est Boris Sangui. Moi, j'ai quand même des bases. Je suis respectueuse et je ne m'emballe pas comme ça parce que quelqu'un est venu dire que tel t'a clashé. Je n'ai pas vu d'où Nathalie Babalé m'a clashé. Et je ne peux pas me permettre de lui manquer de respect. Jusqu'ici. S'il vous plaît. Prenez le numéro et appelez. 07 58 44 11 15. Donc,
Et toutes les gens de la TKC ou de la team de la pédagogiste les abeilles, si je vous ai bloqué, vous aviez le numéro WhatsApp, vous envoyez que des blocs tels. Parce que je suis déjà avec vous. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quand je suis, je dis que je suis. Le jour que je ne suis plus, je dis que je ne suis plus. Donc, je suis avec vous. Et je demande à tous les Camerounais de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, même ceux du Cameroun, de la France, de la Belgique, de la Hollande, de la Malaisie, de la Chine même, de se retrouver le 9 décembre à Paris, au conseil de petits pays, soutenir la MAFO internationale. Je vous demande de venir dans l'événement. Je serai moi-même là. Je serai là. Je serai déjà même à la soirée du 14. À la soirée du jet privé soutenir Katino, la soirée du 14 novembre, dans 3 semaines, je serai là pour soutenir Katino, la femme du peuple. Je serai là-bas. La soirée du 14 novembre, chez Jet Set Privé, c'est quoi Jet Set Privé? Je serai là-bas. Et je serai à la soirée du 9 décembre. Voir petit pays. Si vous voulez participer à l'émission, et n'oubliez pas de passer la commande, la gamme Métis Express, qui est disponible et en vente chez moi. À chacun son oui. La commande gamme Métis Express. Le lait est tellement bien que tu utilises ça trois mois. Donc, vous pouvez faire confiance. Si vous utilisez bien, c'est minimum 3 mois. C'est épais dedans et ça nettoie. Vous pouvez appeler pour conseiller Mendomo. Mendomo fait. Vous pouvez appeler pour conseiller Mendomo. Vous comprenez? Il n'y a pas que les injures. Mendomo, moi, je veux te dire, il n'y a pas que les injures. Vous voyez, toutes les personnes qui t'appellent là, ce ne sont pas des personnes qui t'insultent, comme dans ta team. Ils te donnent des conseils et te demandent de changer. Ah oui? Il n'y a pas que les injures. Appelez s'il vous plaît. Appelez. Je suis avec la team PDG et la team TKC. Tous les TKCistes et les PDGistes que j'ai bloqués dans mes directs, venez me dire que c'est moi, débloque-moi. Je veux tous vous débloquer dans le déblocage. Je veux tous vous débloquer. Vous comprenez dans la compréhension? Si vous adorez votre garçon, on va se débloquer tous derrière la MAF, on va la soutenir. Tout ce que Dieu fait est bon. Quelques jours. Facebook, c'est le tourbillon. Mettez votre logement sur Airbnb et gagnez de l'argent quand vous n'êtes pas chez vous. Moi, je connais ensemble, chers fans, de toutes les teams, même la team de Mendomo. Mendomo, même ta team peut venir à la soirée. Pour montrer que la team PDG est une team qui a un bon cœur. La haine n'est pas bien. La méchanceté ne paye pas. Ta team peut venir. Ils peuvent venir. S'ils ont envie de venir sans dire qu'ils sont de toi, ils sont les bienvenus. Oui, oui. Tout le monde, le 9 décembre, je confirme ma présence. Voilà ce qui vous attend, chers fans. On va bien danser.
par la chanson, les vraies chansons. De votre voiture, petit pays, Ayobayo, la soirée du 9 novembre, Ayobayo, maman chante, Ayobayo, Mendomo, assis, Mendomo, assis, tout le monde dit quoi? Mendomo, assis, fleur de l'île, Ayobayo, Mendomo, petit pays, Ayobayo, Mendomo, assis. Ça veut dire en bas. Chez nous, en petit, on dit assis, en bas. Ayob, ça veut dire que en haut. Fleur de l'île, Ayob, Mendomo, en bas. On va répéter. Fleur de l'île, Ayob, Mendomo, en bas. Après, vous finissez. Facebook, c'est le tourbillon. On saute. C'est chaud. Bipez vos vagines. On saute. Mendomo, ayo, en bas. Mendomo, en bas. Mendomo est où? En bas. Mendomo, je récupère mes vues quand je suis passé à ta télé que tu as eue. Je récupère mes vues. Mais je suis passé à ta télé avec un bon cœur, sans méchanceté, sans arrière-pensée. Mais tu as une mauvaise façon. Nelly, pense à le regard de Lolo en ce moment. Je te dis que le regard de la méchanceté. On va suivre Fleur de Lys jusqu'au ciel le 9 décembre. Marco, je serai là. Je confirme ma confirmation de la présence de la présenterie. Je serai bel et bien là. Avec une robe de soirée princesse. Je serai là. Les gens n'appellent plus. Toutes les personnes que j'ai bloquées de la team TKC ou de la team pédagogiste, je vous demande de venir écrire. Faites une liste de toutes les personnes que j'ai bloquées. Concertez-vous là-bas. Une personne m'envoie le message. Je vous débloque tous. Je vous débloque tous. Vous aviez compris avec quoi? Fleur de Lille, ayop, Mendomo, assis. Maman le fombe. Maman Namung est parti. Namung. Tu disais que tu venais me clasher. Tu pars pourquoi? Oh, tu dis que tu vas laisser ta tête. Est-ce que quand tu venais se frotter à moi, on ne t'avait pas dit que je suis la reine des clashs? Parce que vous voyez que je me suis calmée, j'ai dit que je ne fais plus partie des clashs. Je peux faire un direct de 6 heures et je parle et les gens entendent et ils écoutent. Même s'il y a 3 personnes et ils relaient ça. Ou relaient, on dit quoi? Tu repars ou ne pars pas. C'est interdit de partir. Tu pars où? Il s'agit d'une affaire grave. Tu ne dois que sauf que supporter ta personne. Sauf que vous qui supportez cette personne, même celle qui croit qu'elle est au Congo là, même au Congo là, ma chérie, si tu es intelligente, même dans ton Congo natal, tu peux écoper. Parce qu'il s'agit d'une histoire de personnalité. Et les personnalités se connaissent entre eux. Méfie-toi. Tu n'as pas de carrure pour venir se mêler des histoires qui ne te concernent pas. Si vous êtes intelligente, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Congo, ou du Mali, ou de je ne sais où, ne vous mêlez pas de cette histoire parce que vous allez enfoncer Lolo. Ça serait minimum. Vous savez Kondangye, Aboro Woko, Kondangye. Si ça sera en eux belle,
Nebel, la prison de Nebel. On te voit comme ça avec tes gros seins, comme ça par là. Maman, les femmes de Nebel, là, ce sont d'abord des la majorité sont des fumeuses de banga. Quand tu arrives là-bas, on te racle, on te gifle d'abord. Demandez à Shakiri ce qui se passe à la prison de Nebel. Demandez à Shakiri. Tu arrives là-bas, on te gifle d'abord. Bam! Tu as fait quoi pour être ici? On te demande de force. Il y a des femmes là-bas qu'elles ont déjà fait les 10 ans. Leur amour, c'est seulement avec les doigts. Elles te mettent le doigt comme ça que toi-même, tu restes comme ça. Donc, conseiller à Mendomo, Laure Biaye, d'être très intelligente. Parce qu'il s'agit d'une affaire des autorités camerounaises. Ce ne sont pas les petits pousseurs du sous-quartier que ça va arriver. Ça serait comme ça. Mais il s'agit des autorités camerounaises. Il ne s'agit pas du n'importe qui. Chantal Aïe Courtois, elle courtoie des personnalités. Elle ne côtoie pas des gamins, ni des gamines, de la gaminerie. Chantal, ici, je te demande encore pardon de t'avoir amené dans la merde. Je t'avoir entraîné dans la boue. Je t'avoir amené là où il y a les chics aux pieds, la gale aux fesses. Hé, amigo, le chic aux pieds, la gale aux fesses. Tout le monde, je demande à tous les abeilles. Je demande... Appelez. Allô? Allô? Oui? Bonsoir madame. Je voulais ajouter quelque chose concernant Laure Mendomo. Est-ce que vous savez que Laure Mendomo... Parlez un peu plus fort, j'ai mis... Madame, c'est elle qui est comme ça. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez à l'entendre dire que telle est ceci, c'est elle-même qui est comme ça. Est-ce que vous savez que Laure Mendomo, elle est... Je sais ça. C'est Michel. Et... Madame, c'est Michel et Somba qui m'avait dit. Et puis, son tati n'est pas encore fini. Hein. Ah, c'est pas Michel et Somba, Elle avait dit que ma pépé a fait le tapé d'eau. Michel, pardon, c'est pas toi. Elle a fait tapé d'eau à sa meilleure amie. Attendez, son tati ne fait que commencer. On saura. C'est ce que je voulais dire. À tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Michel et Somba, pardon, même comme je te clash, excuse-moi, je ne sais pas inventer les histoires sur les gens. Excuse-moi pour ça. Lorraine Meng, c'est Lorraine Meng qui m'avait dit que Mendomo, Laure Mendomo est lesbienne. À l'époque, je ne la connaissais même pas. À l'époque, je ne connaissais pas Laure Mendomo. J'entendais seulement de nom. Si vous vous souvenez, vous les anciens internautes des réseaux sociaux, quand je pourchassais Michel et Somba à Soissons, vous vous souvenez, non, le jour que je suis parti à Soissons pour tabasser Michel et Somba. Vous vous souvenez, non? Qui se souvient? J'étais avec Lorraine Perroquet. Le jour-là, Lorraine Perroquet m'attendait à l'hôtel et c'est Lorraine Perroquet qui m'avait dit que Michel a à l'hôtel, que je dois venir pour qu'on je coince Michel pour tabasser. Qu'est-ce qu'elle me fait combat? Elle me dit que tu sais même que Michel et Somba en contact avec Lolo Fodja. Après, je dis que c'est qui Lolo? Elle me dit que c'est une fille vulgaire là de Paris. Elle est ceci, elle est cela, elle est même Lélé. C'est Lorraine Perroquet qui m'avait dit ça. J'ai dit, ah bon? Après, elle m'avait dit que oui, il y avait même une autre fille, on appelle si c'est Mercedes Mbala. Et tout. J'ai dit, ah bon? Oui. C'est Lorraine Perroquet qui m'avait dit ça. Qu'elle est Lélé. Moi, je le sais depuis. Moi, je le savais depuis qu'elle était Lélé. Elle était Lélé. Lélé. Valérie Amour, tu es une sans confiance. Tu n'aimes pas Flore. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je m'en fous.
Mais moi, je suis une personne que quand je suis avec une personne, je suis vraie. Je ne fais pas les tapés. Demandez à Lolo que depuis que j'ai été en contact avec elle, est-ce que je lui ai fait quelque chose derrière? Mais elle m'a volé ma chambre. J'avais le macabo. Ma chambre m'avait déjà produit un album que, aussi dur qu'elle n'a pas pu finir de payer parce que quand Lolo l'a dérouté, elle ne me gérait plus. Vous me parlez de quoi? Je suis sans confiance. Oui, j'accepte. Valérie Amougou est sans confiance. Valérie Amougou, répétez ça, faites une chanson avec. J'accepte ça. Dites tout ce que vous voulez. Je suis comme ça. Même avec ma mère ou mes soeurs, quand je vois que la personne a mes copes ou fait copes, je change, je tourne comme le tourbillon. J'ai quand même de la personnalité. Je ne veux pas accepter l'inacceptable. Je ne peux pas me permettre qu'une personne que j'ai amenée, elle soit à la verdict populaire et méprisée par une personne qui m'a supplié que je veux cette personne. Je suis désolée. Là, je ne serai pas d'accord avec vous. Dites tout ce que vous voulez. Je suis sans confiance. J'accepte. Oui. Quelqu'un a une question, une autre question? Maman, c'est comme ça quand on a beaucoup de vues. Tu n'arrives pas à lire tout le monde. Pardon, laissez-moi dans mes petites vues que je gère, je lis les messages. Je ne vous lis pas. Tout le temps, elle a traité sa soeur de Lélé. Donc, ça confirme que tout... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont très frustrés et qui ont une très mauvaise vie, ils aiment jeter la frustration de ce qu'ils vivent sur des gens. Quand vous allez voir ici sur des réseaux sociaux, les gens qui disent « elle vend le piment », ça veut dire que la personne même vend. La personne même vend. Quand vous la dites « telle est comme ça », ça veut dire que les gens les plus frustrés, ce sont les gens lorsqu'ils arrivent sur quelque part, ils veulent montrer qu'ils sont mieux. Ce sont ces gens même qui sont très dangereux. L'exemple, c'est par exemple les gens « oh, tel vend le piment, tel est ceci, oh, tel... » Ça veut dire que c'est cette personne qui est même comme ça. Est-ce que depuis que je parle là, vous m'aviez vu lui manquer le respect, l'insulter ou bien dire des méchancetés, mais moi je le sais depuis des années qu'elle est lélé. Moi je le savais, moi je le sais. Elle se fait bouffer le minou, elle aime ça. Elle aime qu'on bouffe son minou, qu'on bouffe la chatte. Yonidas dit qu'il pouvait bouffer le minou même pendant 25 minutes. Il finit de bouffer le minou, il monte sur la colline même 40 minutes, qu'elle ne se rassasie pas. Na bon, a cogné, il cogne la fille n'est que oui, oui. Quand il croit qu'il a déjà trop travaillé, la fille dit que mouf, tu crois que c'est fini? Fais-moi l'amour. Yonidas a tout versé. C'est le même Yonidas qui vient derrière toi pour te dire des choses. Yonidas, c'est un traître, Lolo. Je te donne donc un conseil. Si tu ne sais pas qui est Yonidas, c'est un traître, c'est un sorcier. Les gens de la team appelés, même la team de TKC appelée. Mendomo, on l'appelle Mendomo. Je préfère Valérie. C'est Warion qui est plutôt sans confiance. Maman, on dit ce qu'on veut, je m'en fous. J'assume. Vous saviez que depuis février, j'ai fait la paix avec Flore. Vous m'aviez vu faire la propagande? Non. Parce que je suis une personne qui prend le temps. J'ai fait la paix avec Flore depuis le mois de février. Mais je ne suis pas venue sur des réseaux sociaux faire la propagande. Je suis restée tranquille dans mon coin. Elle est qui? Les dix comme ça. Fais bien. Je te demande de mettre au pays.
Mais bien. Écarte le pied. Fais comme vous faites, Simon. Fais, je te dis que tu viens de faire. J'en ai marre. Je te dis de faire. Oui, fais. Comme d'habitude, fais. Maintenant, on va faire. Tu le fais, hein. Maintenant, on va tais-toi. Je veux juste une réalité pour qu'on fasse de toi. C'est ça qui est dit. Si tu m'énerves, tant pis. C'est ça qui est dit. Fais comme vous faites souvent, n'avance pas les pieds, mon homme. C'est à toi que j'ai dit. Et t'as dit que fais comme vous faites souvent. C'est toi qui m'as dit que vous faites ensemble, oui ou non. C'est toi qui m'as dit oui ou non. Faites alors. Si vous l'avez accepté, pour que je vous laisse. Je vais dire que vous payez en tout cas. Ma copine Fleur de Lille, le 9 décembre, je serai la Hoha. Le 9 décembre, je serai la Hoha. Je viendrai avec lui, Shalom, quoi. J'avais déjà dit à lui, Shalom, quoi. Si tu as son numéro, appelle-la à l'instant. Je lui avais dit qu'on va te faire une surprise. Je suis en ligne. Si tu as son numéro, appelle-le là. Je suis là. Demande-lui que est-ce que Valérie Amourou ne t'avait pas dit qu'elle viendra à la soirée avec toi. Je suis là. Attends, j'arrête seulement l'eau. J'avais dit à lui, Shalom, que viens, on va soutenir Fleur de Lille, quoi qu'il en soit. Il m'a dit que oui. Demande-lui, je suis là. Je n'ai pas de téléphone. Moi, Valérie ne ment jamais. Lui, Shalom, quoi? Valérie ne ment jamais. Les abeilles, la tête cassée. Valérie ne ment jamais. J'avais dit à lui, Shalom, qu'on viendra à la soirée de Mafo. On viendra la soutenir pour dire que je ne suis pas. Je n'ai pas un mauvais fond. Je suis méchante, oui, je suis ce que je suis, mais quand il s'agit de l'évolution de quelqu'un, je suis là. Je suis là avec la personne. Je sais soutenir, je sais encourager, je sais dire à quelqu'un, ayop, ayop, va devant. C'est pour cela que vous aviez vu ici, quand j'ai fait par exemple la sortie sur Kabel Belinga. Parce que j'ai vu comment, quand elle a sorti son premier album, comment j'étais avec elle, je la soutenais.